Africa Time, spécial Sénégal, prise 1, action. En nous rapprochant des côtes sénégalaises ce jour, je ne peux m'empêcher de ressentir une vague d'émotions. Le Sénégal, un pays de lumière, composé d'hommes et de femmes formés. Et en parlant de femmes, comment rester insensible à la sensualité de la gent féminine sénégalaise? Le grand fragile que je suis redoute ne serait-ce que leur simple Nangadef. Nangadef, yanki jam. Vous êtes vaincue, madame. En 2009, c'est Richard Bourenger qui m'avait amené au Sénégal. Et là, cette fois, j'ai rendez-vous avec le docteur Serigne Gueye Diop. Mais qui est Serigne Gueye Diop? Parler de cet homme, ça me donne même la chair de poule. Il a 5 diplômes d'ingénieur. Et cet homme, malgré tout, reste l'homme le plus simple que j'ai jamais vu. Son parcours de jeune talibé jusqu'à la MIT aux États-Unis, il est passé partout, en Angleterre, partout. Quand on te reprend son parcours, mais tu te dis comment cet homme-là peut être aussi humble, aussi simple et aussi disponible. Bonjour Serigne Gueye Diop. Bonjour Morgane. Je suis très heureux de vous accueillir. Bienvenue au Sénégal, hein, un pays de Teranga, un pays où tous les frères africains se sentent chez eux. Donc vous êtes chez vous. Merci beaucoup. Alors, il y a une question que je me suis posée durant tout le voyage. C'était de me dire comment on quitte le top management de Nestlé, notamment la direction générale de la recherche, de Nestlé pour revenir, pour entrer en Afrique, au Sénégal, où la gestion des affaires publiques n'est pas toujours tout ce qu'il y a de plus rationnel. Vous savez, on ne planifie pas d'échouer, mais on peut échouer par manque de planification. Quand j'ai vu ce projet du Sénégal, du plan Sénégal émergent du président Macky Sall, qui va au-delà des mandats, j'ai vu tout de suite en tant que scientifique que c'était une approche très rigoureuse, qui est rare en Afrique. Et c'est pour ça que j'ai décidé de soutenir ce projet et de m'y impliquer personnellement. Et je demande d'ailleurs à toute la diaspora sénégalaise de rentrer dans ce pays et de contribuer à ce projet, qui est important pour les générations d'aujourd'hui, mais aussi pour les générations de demain. Mais c'est aussi une question de choix. En lisant le dernier livre de Hillary Clinton, « Le temps des décisions », j'ai vu que le choix était important. Quand Hillary Clinton a décidé de rejoindre Bill dans l'Arkansas, elle disait qu'elle ne savait pas que ça allait impliquer, ça allait influencer sa vie et la vie des autres, la vie des Américains. Eh bien, j'ai fait la même chose. J'ai pensé qu'en décidant de soutenir le président Macky Sall, le choix que j'ai fait de quitter ma société et de revenir au Sénégal va certainement être bénéfique pour les gens de Sangaré, pour les gens du Sénégal et peut-être pour les gens de l'Afrique. Voilà la raison de mon retour au Sénégal. Dans le plan Sénégal émergent, il y a un chapitre consacré à la décentralisation. Mais si certaines prérogatives ont été transférées aux communes, les ressources financières n'ont pas toujours suivi. Une situation qui donne du ferment à la critique. Moi, j'ai l'habitude de dire que la décentralisation est un long processus. Le maire, c'est un élu, c'est le jeu de la démocratie. Après, maintenant, une chose est de dire, est-ce que c'est parce que les maires ne sont pas compétents, qu'on ne leur donne pas la compétence dont elles doivent, la compétence en termes de transfert, mais aussi les moyens. Loger de l'argent dans le compte des maires, c'est important, c'est plus important. Nous avons beaucoup d'initiatives qui sont des initiatives intéressantes qu'il faut surveiller. Je prends l'exemple du plan Sangaré émergent, la commune de Sangaré, qui est un modèle, le modèle achevé
de ce que le PSE cherche à faire au plan national à l'échelle d'un territoire. Sandiara se distingue de loin des autres pays d'Afrique parce qu'en fait, dans le programme de développement économique et social de Docteur qui lui a permis d'ailleurs d'accéder au magistère, il avait déjà décliné 12 points structurants quand même pour relancer l'économie au niveau local. Et ce modèle économique, c'est pour lutter contre le chômage. Donc, il y a deux phases dans ce modèle économique. La première phase, donc, c'est de s'occuper des gens qui sont pressés, qui doivent trouver immédiatement de l'emploi. Et ces gens-là, il faut les trouver là où travailler. C'est pourquoi nous avons créé la zone industrielle. L'autre partie du modèle, c'est préparer les gens pour demain. Et c'est là où on a préparé, on a mis en place un lycée d'enseignement général pour former les gens de la 6e jusqu'au bac. En terminale, oui. Jusqu'en terminale et après, à côté du lycée d'enseignement général, pour avoir la qualification professionnelle des personnes, on a créé le lycée. Un lycée technique. Comment on imagine de construire le développement dans une ville comme Sandiara? Je pense qu'il faut procéder d'abord à une analyse de type scientifique, ce que nous appelons en science, en recherche, le diagnostic. Et nous avons appliqué la méthode des 5 pourquoi, les 5 whys. Pourquoi Sandiara est pauvre? Parce que les gens ne sont pas éduqués. Pourquoi ne sont pas éduqués? Parce qu'il n'y a pas d'école. Pourquoi il n'y a pas d'école? Parce que l'État n'a pas construit d'école. Sauf que nous avons pensé que ce n'était pas à l'État seulement de construire d'école. On ne peut pas attendre l'État. Et nous avons commencé. Ce projet de lycée, ce projet autour de l'éducation pour aider maintenant ces jeunes à sortir de l'ignorance. Notre projet, c'était donc de créer ce qu'on appelle le plan 1-10-10. Une famille, 10 cadres dans 10 ans. Ce projet tourne autour de l'éducation pour tous, de la formation professionnelle, mais aussi de la zone industrielle de Sandiara. C'est-à-dire le savoir-faire et le savoir-être, mais également le travail. Il fallait un lieu de travail. Il ne fallait pas que Sandiara soit un dortoir. Il fallait créer tout le développement de Sandiara autour de la fonction travail. Pour la petite histoire, après notre baccalauréat à l'université, il m'a remis un chéquier alors qui nous servait de bourse à moi et mes petits frères. À la fin de au terme de nos études, au lieu de nous laisser tenter par l'immigration, il nous a clairement dit que je vous fais confiance, je connais vos capacités personnelles, je vais vous donner de quoi démarrer une activité. Cette affaire est partie avec une petite somme de 700 000 francs qui nous permet aujourd'hui de faire un chiffre d'affaires de plus de 400 ou de 500 millions. Il y a 25 ans, j'avais offert à chaque membre de ma famille, aux cousins, aux frères, une bourse pour investir dans l'éducation. 25 ans plus tard, ils sont tous devenus des cadres, chefs d'entreprise, journalistes, ingénieurs. Et j'ai pensé que si on l'appliquait à 30 000 personnes, une population de 30 000 personnes dans 30 villages, on devrait avoir également des universitaires demain. On devait avoir des mécaniciens hautement qualifiés. Mais ce qui est nouveau, c'est que j'ai ramené la zone industrielle à Dakar, de Dakar à Sandiara maintenant. On ne va plus, après l'éducation, on n'a plus besoin d'aller à Dakar. On peut maintenant trouver du travail à Sandiara parce que là, la nouvelle zone industrielle de Sandiara, c'est quand même 30 usines, c'est 10 000 emplois, c'est 60 milliards d'investissements et c'est également une zone de réceptacle pour les 5 000 jeunes qui seront formés au lycée technique et professionnel de Sandiara. Le plan Sénégal émergent, j'en avais vaguement entendu parler, sans pouvoir expliciter son fondement existentiel. La logique qui fonde le plan Sénégal émergent, c'est de passer d'une logique de planification à court terme à une planification prospective sur le long terme. Une vision qui soit à l'échelle au moins d'une génération. C'est pour ça que le plan Sénégal émergent est un plan sur un horizon de 20 ans avec une séquence de deux vagues de 10 ans. C'est un plan qui est bien élaboré et qui, en tout cas sur le papier, est très pertinent. Par exemple, la nouvelle ville de Diamniadio est une réalité visible. En tout cas, elle est en train d'être érigée, elle est en train de sortir de terre.
Mais l'émergence, ce ne sera pas simplement une ville ou des bâtiments ou même des infrastructures de toutes sortes. Toute une ville nouvelle est en train d'émerger à Diamniadio, vous êtes au courant. Je vais vous étonner, mais dans la conception et la mise en œuvre de ce projet, vous avez un pôle d'expertise sénégalais. Et ce pôle est drivé par le ministre Lucie Sall, un brillant ingénieur qui tempère, qui pondère, qui organise tout ce pool de cadres sénégalais autour de lui pour faire ce gigantesque projet qui est Diamniadio. Nous sommes à la délégation générale des pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose en compagnie du ministre Seydou Sissal. Bonjour. Bonjour. Alors, le ministre Seydou Sissal, qui est le délégué général de ces pôles urbains, en partant de Paris, on était très sceptique quand on nous a parlé de ville nouvelle qui va émerger du côté de Diamniadio. Il a fallu qu'on rencontre un de vos collègues dans l'action gouvernementale, le ministre conseiller Serine Diop, pour qu'il nous convainc de venir voir ça. On est habitué à entendre des projets en Afrique sans voir leur matérialisation. Vous pouvez nous confirmer aujourd'hui, aux nombreux téléspectateurs qui nous regardent, qu'on n'est pas dans le virtuel, on n'est pas dans la fiction, mais on est dans la réalité. Je voudrais vous remercier, Morgane, remercier toute votre équipe de Africa Time. Je puis vous confirmer que la ville est devenue une réalité. C'est une ville qui a été lancé il y a seulement moins de 2 ans et demi par le président de la République. Et aujourd'hui, une bonne partie est déjà en chantier. On a vu, en interrogeant quelques personnes indiscrètes, que vous avez priorisé sur une expertise sénégalaise. Parlons de cette conceptualisation, expertise qui est donc regroupée ici dans le cadre de cette délégation autour de vous. Oui, l'expertise est sénégalaise et l'expertise aussi est jeune. Nous avons misé aussi sur une expertise, bien sûr, de Sénégalais qui ont longtemps travaillé ici au Sénégal. Et c'est la confrontation, la bonne confrontation de toutes ces expériences qui nous a permis de mettre en place une expertise qui a pu planifier, c'est-à-dire développer le plan d'aménagement en un temps record et également mettre en place les projets. Alors, on parle de mixité fonctionnelle et sociale. Pour résumer le projet Diamniadio, qu'est-ce qu'on doit entendre par ces mots? Nous avons pensé qu'il fallait structurer la ville au départ autour de la fonction travail. D'accord. La fonction travail qui génère bien sûr de l'activité, de la richesse et des emplois, et mettre autour les logements et les équipements qui accompagnent le logement. Donc, la mixité fonctionnelle se traduit par la bonne articulation entre la fonction travail et la fonction logement. Dans la fonction logement, nous nous sommes dit que la ville ne doit pas être seulement habitée par des personnes nanties seulement, mais aussi elle ne doit pas être habitée par des personnes à revenus très modestes. Il faut arriver à articuler les logements sociaux avec les logements de grands et de moins de grains et de hausse. On va se mettre dans une opération de charme avec vous, si vous le permettez, puisqu'on parle d'attractivité quand on évoque cette future plateforme de Diamniadio. Alors, si face caméra, je vous disais, vous avez un public international, des investisseurs potentiels, vous voulez leur parler, quels sont les aspects du projet Diamniadio, ville nouvelle, que vous souhaiterez mettre en avant? Je dirais à des investisseurs étrangers que nous avons structuré la ville en 4 arrondissements, mais chaque arrondissement portant une thématique bien déterminée. Un premier arrondissement qui est structuré par l'événementiel, parce que nous nous sommes rendus compte que Dakar est attractif, le Sénégal est attractif, mais il faut le rendre plus attractif. Dakar, il faut le repositionner sur l'échiquier continental, parce que nous pensons que entre Paris et Johannesburg, entre New York et Nairobi, Dakar peut jouer un rôle très important dans l'accueil d'événements de dimension mondiale. Donc nous avons pensé
autour du centre de conférence, structurer un cluster sur l'événementiel. Nous dirons à ces investisseurs qu'il faut venir investir sur des hôtels, c'est-à-dire sur des réceptifs hôteliers. Il faut venir animer notre centre d'exposition qui est en construction. Nous dirons également aux sportifs, également au monde du sport, que Diamniadio va abriter une grande arena, c'est-à-dire qui va recevoir qui pourrait recevoir de grands événements sur le plan sportif. Mais nous dirons aussi aux industriels qui veulent investir que Diamniadio, il y a un parc industriel qui est en voie de développement. Ce parc sera érigé en zone économique spéciale avec des facilités fiscales. Et ce parc aussi pourra abriter des industries dont l'essentiel de la production va être destiné à l'exportation. Il est prévu des espaces réservés pour abriter des sièges de multinationales, des services juridiques, des services financiers. Nous dirons enfin aux investisseurs qui sont intéressés par la recherche que nous sommes en train de développer une économie de la connaissance à Diamniadio, structurée autour d'une université orientée vers les sciences et les technologies, et que tous les chercheurs peuvent trouver à ce niveau-là un foyer scientifique qui leur permettra de pouvoir vraiment développer leurs recherches. Vous ambitionnez le clap de fin de tous ces travaux à quel horizon ? Construire tout ça va demander du temps. C'est pour cela que le président de la République a inscrit le développement de la ville sur un horizon qui coïncide avec l'horizon du PSE, c'est jusqu'en 2035. L'approche qui a fondé les autorités, le président de la République, à vouloir inscrire le Sénégal dans la trajectoire de l'émergence sur le long terme est fondée d'abord sur les potentialités et sur la nécessité qu'il y a à changer de paradigme et à faire changer le pays, l'économie sénégalaise de trajectoire. L'émergence, donc, c'est un tout. Et dans ce tout, le plus important, c'est la formation des citoyens, l'éducation, la santé aussi, et l'alimentation, évidemment, puisque il faut que, pour que tout se tienne. Quand on a commencé par la base, être chef de secteur agricole dans un département du Sénégal, jusqu'à être directeur de la recherche en Afrique, pour l'Afrique, de la plus grande compagnie agroalimentaire au monde, vous voyez la dimension intellectuelle de l'homme. Docteur Seyrine Diop, vous avez fait 7 grandes écoles dans le monde, vous avez 5 diplômes d'ingénieur, vous parlez 7 langues, vous avez 10 brevets d'invention, vous êtes le premier noir chez Nestlé, en 150 ans d'existence, avoir été patron de la recherche, ça fait beaucoup quand même. Oui, en effet, c'est important que les jeunes Africains étudient dans les meilleures universités, aillent le plus loin possible pour maîtriser la science, la technique. C'est important, c'est un parcours que beaucoup de jeunes devraient emprunter. Mais finalement, c'est une réussite personnelle. Doit-on accepter que nos jeunes finissent dans le ventre des requins de la Méditerranée? Doit-on accepter de chosifier nos femmes? Doit-on accepter que des millions d'Africains n'aient accès ni à l'eau, ni à l'électricité? Que des millions d'Africains meurent de faim? Je crois que c'est les grands défis qui interpellent l'Afrique aujourd'hui. Parlant de défis, justement, il y a quelque chose de très intéressant qui se passe au Sénégal en ce moment. En 2012, le président Macky Sall a décidé de prendre le problème à bras-le-corps en lançant le plan Sénégal émergent. Vous en avez entendu parler, c'est un programme révolutionnaire.
Je crois que c'est un sujet d'actualité qui mérite d'être exploré par votre reportage au Sénégal. Toutes ces belles idées, consignées sur un papier, avaient le mérite de faire rêver grand. Mais que vaut une vision sans son exécution? Le Sénégal dispose-t-il des hommes pour mener à son terme un projet aussi grandiose? Je dirais oui et non. Oui, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les compétences existent pour conduire ce processus de transformation structurelle. Mais sur le long terme, il va falloir préparer davantage les hommes et les femmes du Sénégal pour continuer à poursuivre la dynamique de transformation structurelle. Il faut essayer d'atteindre coûte que coûte 90 à 95% d'alphabétisation. Ce que j'entends par alphabétisation, que la quasi-totalité des citoyens puissent apprendre à lire, à écrire et à compter. Ça, c'est un impératif. Si le Sénégal dispose des hommes pour réaliser le programme du plan Sénégal émergent du président Macky Sall, laissez-moi de mémoire vous citer 5 profils. Vous avez Amadou Ott, le patron du Fonds 6, le Fonds des investissements stratégiques du Sénégal, ses 15 ans de finance à Wall Street, la gestion de patrimoine chez Dangote, le management des investissements chez UBA. À 44 ans, il a beaucoup vu et plein de maturité. Vous avez Abdoulaye Mbow qui pilote la construction de l'aéroport Blaise Diagne. C'est un polytechnicien chevronné, c'est quelqu'un qui détonne par sa rationalité. Et sachez-le, c'est une autre valeur sûre du système Macky Sall. Que dire de Doudouka, le patron du Fonds JIP, le Fonds des investissements prioritaires du Sénégal, diplômé de Paris Dauphine, jeune talentueux qui a roulé sa bosse un peu partout avant de rentrer au Sénégal pour exprimer son patriotisme. Il y a aussi Ibrahim Awad, qui est le patron du BOSS, le bureau opérationnel du plan Sénégal émergent. Sachez-le, c'est toute une instance qui s'occupe du monitoring quotidien des 27 projets du plan Sénégal émergent. C'est important. Vous avez Muntagasi, qui nous vient de la diaspora, qui est au top management du groupe International Crown, qui est le patron de l'APIX, une des instances de direction du plan Sénégal émergent qui regroupe tous les investissements sénégalais et étrangers dans l'industrie sénégalaise. Et je vous conseille d'aller rencontrer vous-même ces champignons et de constater la pertinence des solutions qu'ils ont pour le plan Sénégal émergent. Il sera difficile de trouver à redire sur ce casting présidentiel. Le directeur général de l'AIBD. She loves for real. L'aéroport Blaise Diagne et lui, c'est une longue histoire d'amour. C'est comme une femme précieuse que vous confiez un copain. Sauf que là, c'est pas un copain. C'est le président lui-même qui lui a confié ce trésor national. Bonjour Abdoulaye Mbodj. Bonjour. Alors, permettez-moi de commencer tout de suite par des questions polémiques. Mmh. La première pierre de l'aéroport international Blaise Diagne a été posée en avril 2007. Mmh. Nous sommes à l'orée de 2017. Mmh. 10 ans pour construire un aéroport, ça ne fait pas beaucoup? C'est excessif. Vous avez raison, c'est excessif. Mmh. Le délai est très long. Mais vous savez, c'est l'une des premières expériences chez nous des projets complexes. D'accord. Le montage a été difficile. C'est un contrat EPC, études, construction et équipement. Malheureusement, je pense à l'origine, il fallait se prémunir de toutes les précautions, bien vérifier tout ce qui a été fait pour éviter les déboires qu'on a connus. Mais, vous savez, la mauvaise expérience également est une bonne expérience pour l'avenir. Donc vous avez appris en vous trompant? Absolument. L'allemand Fraport s'est retracté de la partie exploitation de l'aéroport Blaise Diagne. Pourquoi toutes ces démissions en cascade? La Teranga ne serait plus sénégalaise? Il faut dire que c'est à cause des circonstances que Fraport, de lui-même, a demandé à se retirer du projet parce qu'estimant que ce projet n'était plus rentable. Simplement, à un moment donné, pour booster le tourisme sénégalais, pour faire en sorte que la destination soit moins chère.
Son Excellence le Président de la République a pris la mesure de réduire de moitié les taxes passagers qui passent de 16 000 à 8 000 francs et les taxes sûreté qui passent de 4 000 à 2 000 francs. Évidemment, le modèle financier de Fraport ne fonctionnait plus et Fraport a demandé simplement à se retirer à l'amiable. Alors donc des mesures d'incitation qui sont en convergence avec le plan Sénégal émergent, mais des mesures qui peuvent aussi être considérées comme sociales. Exactement. À la fois ça sert et le plan Sénégal émergent dans le volet tourisme. Vous comprenez que le tourisme est pratiquement le second secteur pour nous qui nous permet d'avoir en tout cas des devises, mais également du point de vue social, permettre à nos populations, permettre aux populations amies du Sénégal de pouvoir bénéficier de billets moins chers. Alors, combien va coûter à l'État du Sénégal la réalisation de l'aéroport international Blaise Ndiaye? À l'arrivée, cet aéroport va coûter aux environs de 400 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, le budget de l'État ne contribue en rien au financement de cet aéroport. Il a été trouvé la formule de ce que l'on a appelé la redevance pour le développement des infrastructures aéroportuaires. Pour chaque passager en partance de Dakar, il a été retenu de payer 54 euros qui devrait contribuer justement au financement de cet aéroport, et c'est ce qui a été fait. On investit des milliards pour construire un aéroport international, c'est très bien, mais quand on n'a pas de compagnie aérienne pour en optimiser le rendement, on est un peu frappé d'incohérence avec le plan sénégalais. Ah mais merci, je vous remercie, parce que d'autres ne pensent pas comme vous. Beaucoup d'autres disent à quoi ça sert, une compagnie à l'image du Sénégal qui est un petit pays. Il vaut mieux laisser mourir, évidemment, la compagnie nationale. Ce n'était pas du tout le point de vue de Son Excellence. La vision, c'était justement pour nous permettre d'avoir le hub aérien indispensable en Afrique de l'Ouest. Il nous fallait cet aéroport moderne. C'est en cours de finalisation. Mais il nous fallait également une compagnie nationale forte qui puisse drainer, évidemment, le trafic à partir des pays de la sous-région. Et pour les faire venir évidemment à Dakar et les faire dispatcher par la suite à travers le monde entier. Combien d'avions peuvent stationner en même temps sur le tarmac? Nous avons une cinquantaine d'avions qui peuvent stationner sur le tarmac, avec une possibilité de 6 avions qui vont être ce qu'on appelle au contact, c'est-à-dire desservis par des passerelles télescopiques. Alors là, nous sommes à l'extrémité 01 de la piste de l'aéroport de Dias. Ça va 34 km de Dakar. Cette piste fait 3,5 km de longueur pour 75 mètres de large. Pour tout vous dire, elle a été dimensionnée pour accueillir les A380. Elle a un niveau de précision ILS de catégorie 2, c'est-à-dire ce qui se fait de mieux en Afrique. Attention, le Sénégal est en train de faire très fort. Venez avec moi, on va faire le tour de cette piste. Ouais. Allô, Amadou Ode, à tout de suite. Bonjour Amadou Ode. Bonjour Pierre Palma. Alors, le Francis est un fonds souverain d'investissement basé au Sénégal ou pour le Sénégal? C'est un fonds basé au Sénégal et pour le Sénégal durant les 5 premières années. La mission du Francis, c'est d'aider à développer le Sénégal, donc à investir exclusivement au Sénégal. Dans le futur, on pourra investir à l'étranger. Alors, on est obligé de se faire pédagogue.
quand on a la chance d'avoir un capitaine de la finance comme vous, pour nos téléspectateurs, pour qu'ils comprennent très bien, votre fonds intervient uniquement sous forme de prise de participation directe dans les capitales des entreprises qui vous sollicitent. Absolument. Notre fonds prend des participations, peut également intervenir en compte courant associé, c'est-à-dire un prêt pour l'entreprise dans laquelle nous sommes actionnaires, mais nous n'offrons pas de dette bancaire comme le font les banques, parce qu'il y a les autres banques telles que la BND et les banques commerciales. Nous n'offrons pas également de garantie parce qu'il y a d'autres instruments dédiés. C'est tout un dispositif. Alors c'est ça l'élément principal de différenciation entre votre activité et celle des banques ? Absolument. Nous prenons des risques, nous prenons plus de risques que les banques parce que nous sommes un investisseur en capital. Nous sommes actionnaires. Nous ne demandons pas des garanties à l'entrepreneur et à l'entreprise, contrairement aux banques qui vont prendre des garanties sous forme de terrain, d'autres actifs de la société. Si l'entreprise gagne, nous gagnons. Si elle perd, nous perdons. Comme les actionnaires, nous n'allons pas demander d'être remboursés par les actionnaires ou par l'entreprise. Donc vous partagez les risques avec... On partage les risques, donc on partage aussi les dividendes et les rentabilités futures. D'accord. Donc il n'y a pas de mutualisation des pertes et privatisation des profits. Vous êtes dans le même bateau. Absolument. Donc nous sommes dans le même bateau. C'est pourquoi d'ailleurs nous sommes exigeants dans la gouvernance aussi. Donc nous sommes au conseil d'administration, dans certains comités, pour surveiller un peu la gestion de l'entrepreneur, contrairement aux banques qui ne vont pas siéger au conseil d'administration d'une entreprise. Vous avez dit quelque part que pour les générations futures, vous mettrez 15% de vos profits sur les 10 prochaines années. C'est important d'abord peut-être d'expliquer le concept même d'épargner pour les générations futures. Notre fonds est un fonds de développement qui pour l'instant n'est pas alimenté par les ressources du pétrole. Mais il est prévu que dans le futur aussi, une partie des ressources du pétrole alimente le fonds 6, comme c'est fait dans les pays qui ont du pétrole et du gaz, tels que dans le Moyen-Orient par exemple. Et ces pays-là épargnent pour les générations futures une partie des revenus du pétrole. Nous, on s'est dit, en attendant d'avoir les revenus du pétrole, épargnons une partie de nos profits pour les générations futures. Votre nomination finalement à la tête du fonds 6 était très stratégique. Parce qu'on n'a pas nommé que vous, mais on a nommé vous et tout votre réseau. Le président a fait preuve d'une espèce d'ingéniosité. Absolument. Le président de la République vraiment nous a fait honneur ici en nous mettant dans un domaine que nous comprenons très bien, que nous avons pratiqué pendant 15 ans avant d'entrer au Sénégal. Du haut de votre expérience, on va en profiter puisque nous avons la chance de vous avoir. Il y a des milliers de téléspectateurs qui nous regardent, qui veulent comprendre comment ça fonctionne. Quels sont les domaines d'activité qui sont bankable et pour lesquels le fonds 6 fonce tête baissée? En fait, le secteur vraiment qui est très évident, c'est le secteur des infrastructures, incluant surtout l'énergie. Les projets d'infrastructure, la gestion des autoroutes, c'est très intéressant. Parce qu'il y a déjà au départ des subventions de l'État ou des garanties trafic qui font que le taux de rentabilité il est assez intéressant, même s'il n'est pas explosif. Mais il est relativement garanti sur 25 ans. Donc ça, c'est des projets safe. Il y a aussi dans l'agriculture, même dans l'industrie. L'essentiel, c'est d'avoir des porteurs de projets compétents et un marché bien identifié et une gestion rigoureuse, une excellente gouvernance. Dans notre marche vers les résidents de la République du Sénégal, je fais un stop ici à Wakam, juste en face du lycée français Jean Mermoz. J'ai pris rendez-vous avec un champion. C'est Doudou Kia, c'est le patron du fonds JIP. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't want to write a song, cause I didn't want to. Nanga Def, ça va? But you still hit my phone up. And baby, I'll be moving on. And I think it should be something I don't want to hold back. Maybe you should know that. My mama don't like you and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job. Didn't see what's going on but now I know. Il y a une chose qui nous frappe quand on rentre dans votre bureau, hein. Tout le mobilier est un tout petit peu à la mode africaine. Oui, mode africaine, mode sénégalaise. Surtout parce que nous avons voulu être en phase avec le plan Sénégal émergent qui vise à faire émerger les petites et moyennes entreprises, à faire émerger les artisans.
et à inciter les institutions à consommer local. Le FONGIP a vocation à financer ou à garantir les crédits à l'investissement? Le rôle du FONGIP, c'est la facilitation d'accès au crédit à des coûts raisonnables. Cela, nous le faisons par la garantie. Nous le faisons également par le refinancement du système bancaire et du système financier. Donc, quand vous parlez de coûts raisonnables, on doit entendre que les taux d'intérêt, c'est ça? Oui, les taux d'intérêt, la durée des crédits. Aujourd'hui, par exemple, un chiffre qu'on peut vous donner, au bout de 3 ans d'activité, le taux d'intérêt moyen de nos bénéficiaires est de 8,66% contre un taux moyen pour les PME de plus de 11,50% observé ces dernières années. On est dans une économie réelle où l'informel a douché l'enthousiasme des banques dans l'octroi des financements. Quelle est votre pédagogie quand vous allez à la rencontre de ces institutions financières? Vous leur dites quoi pour les enrôler dans la mécanique Plan Sénégal émergent? Le premier constat aujourd'hui, au bout de 3 ans, c'est que c'est un pari réussi puisque nous travaillons déjà avec 15 banques et 10 institutions de microfinance. Il y a une espèce d'intelligence collective, tout le monde joue le jeu. C'est ça, tout le monde joue le jeu, le risque est partagé et chacun est à même de jouer véritablement son rôle dans l'économie nationale. Est-ce que vous avez mesuré votre impact dans l'atteinte des objectifs du plan Sénégal émergent? C'est vrai qu'au bout de 3 ans, c'est prématuré, mais ce que je puis dire, c'est déjà en termes d'accès, de facilitation d'accès au crédit. L'objectif, je le rappelle tantôt, c'est d'arriver à mobiliser 50 milliards de fonds propres avant 2018. Et ces 50 milliards, avec l'agrément de la BCAO, nous permettra de mobiliser 250 milliards destinés aux petites et moyennes entreprises. Donc, un impact réel sur les objectifs du PSE. Alors, on parle d'un dispositif de suivi pour prévenir les facteurs contracycliques. Comment vous allez mettre en place ce dispositif? Vous allez rentrer dans le tour d'étape des entreprises pour auditer leur gestion au quotidien? Nous avons négocié avec les banques pour que le FONGIP ne prenne pas la totalité des risques. Jusqu'à 80% des risques. Donc, il y a une partie des risques qui est prise par les institutions financières. Donc, cela garantit la solvabilité, la bancabilité des projets. Alors, Doudouka, le FONGIP dispose d'un fonds de 30 millions d'euros pour agir à l'échelle d'un pays. C'est quand même pas très ambitieux. En fonds pareil, vous êtes obligé de financer du microcrédit. Et c'est pas avec du microcrédit qu'on va à l'émergence. Oui, c'est un processus. Les 30 millions d'euros, c'est au bout de 3 ans d'activité. Mais il faut rappeler que le Sénégal également, le tissu économique est composé de 80% de PME et de PMI. Donc le dispositif FONGIP est un dispositif adapté à l'économie sénégalaise. 80% de ce tissu économique ne capte que 10% des crédits bancaires. Parce que justement, les banques sont tournées vers les grandes entreprises qui ne représentent que 20%, 10 à 15% de notre tissu économique. Vous êtes un grand patron très détendu, Doudouka. Vous nous accueillez ici avec beaucoup de bienveillance. On va évoquer cependant les questions qui fâchent. Qu'est-ce qui garantit l'absence de passe-droit dans les mécanismes d'attribution des adoubements FONGIP? En d'autres termes, vous êtes un directeur général qui n'est pas tout à fait neutre, puisque vous êtes membre du parti au pouvoir. Qu'est-ce qui nous garantit l'égalité des chances dans l'octroi des garanties FONGIP pour tous les citoyens? Le modèle économique déjà. Avant, les fonds prenaient la totalité des risques bancaires. Mais aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Moi, c'est les banques qui prennent le risque de crédit. Nous venons en complément du risque pris par les banques. Donc l'institution financière, c'est des capitaux privés, donc avec une organisation privée, donc cela nous garantit la dépolitisation, en tout cas du mécanisme. Vous avez entendu parler de Sandiara? Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ce modèle de développement par les terroirs? C'est un modèle, en tout cas, où on a beaucoup d'espoir,
piloté par un grand frère technocrate, qui est aussi un politique, qui est un technocrate politique, qui est politisé, mais qui assure le développement de son territoire. Alors on repartira du Fongip, pas complètement bête, enrichi d'une nouvelle expression, l'expression technocrate politisé, que vous nous aurez enseigné à Doudouka. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci. Très bel échange avec Doudouka, le patron du Fongip. Nous, on va poursuivre notre odyssée dans le Sénégal profond, à la rencontre, sur la trajectoire plutôt, j'allais dire, des champions de l'économie sénégalaise. Voilà, nous sommes avec Martine Diom ici à Sandiara. Martine Diom qui est la présidente des femmes de l'APR. L'APR, pour les spectateurs qui nous regardent, à l'international, c'est le parti au pouvoir au Sénégal. Commencer le développement par les terroirs semblait être l'une des idées forces du programme. Une idée aussitôt expérimentée à Sandiara par le maire de cette commune de 36 000 habitants. Le docteur Seringue Diop nous a octroyé 2 500 m² dans la zone industrielle pour que les femmes de la commune, je peux dire du département de Mbour, y bénéficient pour qu'on implante une unité de transformation dans la zone industrielle. Et là, il nous a mis en rapport avec le Fongip et le PUDC qui nous accompagnent pour les financements. Dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a donné 10 moulins à 1000 dans les villages. Vous avez vu l'axe routier, il a demandé 200 cantines pour les femmes qui vendent toute l'année des fruits pour qu'on mette des cantines dans les deux axes de la route. Thierry Nossi est le patron de la BNDE. Télégénie, compétences, empathie naturelle. Le patron de cette banque pour le développement économique du Sénégal a tout pour plaire. C'est une icône de l'orthodoxie bancaire, plein d'empathie et très respectée dans le milieu de la finance africaine. Notre odyssée au Sénégal se poursuit ici, au cœur du centre-ville de Dakar, avec le directeur général de la Banque nationale pour le développement économique du Sénégal, la BNDE. Thierry Nossi, bonjour. Bonjour. Alors, merci de nous accueillir. Vous avez trouvé de manière très spontanée, ça nous touche du temps à nous consacrer pour nous parler donc de cette initiative. En réalité, le BNDE, c'est un instrument créé spécialement pour le plan sénégal émergent. La BND a été créée en 2014, en même temps d'ailleurs que le PSE qui a commencé en 2014, dans le cadre d'un dispositif financier que l'État du Sénégal a mis en place pour pouvoir avoir les instruments financiers adéquats en vue d'accompagner, disons, le Sénégal dans sa politique d'émergence. Nous avons bien sûr la BND, mais nous avons aussi d'autres instruments comme le Fongip, le Fonds de garantie, et le Fonds CIS. Ces trois instruments créés par les autorités sénégalaises doivent apporter la solution au financement de l'économie, aussi bien au financement structurel, donc de manière globale, mais aussi au financement des acteurs économiques du Sénégal. Donc voilà un peu la mission qui a été assignée à la BND, en ayant un focus fort sur une cible qui est toujours délaissée par le secteur bancaire, qui est la cible PME-PMI. Le rôle de la BND, c'est de favoriser la création des entreprises, des PME, de favoriser leur développement en proposant des instruments de financement adéquats, adaptés à leurs besoins, mais aussi de financer la restructuration des entreprises en difficulté pour pouvoir faire renaître les filières d'antan qui était un peu la fierté du Sénégal. Quel est le montant global de crédit que vous avez alloué jusque-là aux entreprises qui sont concernées par, dans le projet et en convergence avec le plan Sénégal émergent? On est à peu près à 71 milliards. Donc ça, c'est ce que nous avons engagé depuis 2014. Et aujourd'hui, ces financements ont intéressé tous les secteurs d'activité. Le secteur agricole, le secteur des télécommunications, le secteur de l'énergie, le secteur des services, des transports, le secteur, de manière beaucoup plus précise, le secteur du transport aérien, par exemple,
Voilà, tous les secteurs ont été... On pourra éventuellement voir la BNDE dans la recapitalisation de Sénégal, Air Sénégal International. C'est notre souhait. Hein. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être dans la boucle parce que nous avons été retenus comme étant banquiers donc, de ce projet. Nous pensons demain effectivement à pouvoir les accompagner dans leur développement, dans l'acquisition d'avions, etc. Donc c'est notre souhait parce que c'est notre rôle aussi. Nous l'avons fait avec la société qui s'occupe donc du transport maritime, qui est le COSAMA, à qui on a financé un bateau qui aujourd'hui permet de désenclaver commercialement la Casamance en donnant aux opérateurs économiques les moyens de pouvoir faire venir les produits à Dakar et aussi vice-versa. Les opérateurs économiques à Dakar qui avaient des produits qu'ils vendaient à Ziguinchor peuvent le faire normalement via ce bateau. Alors, juste pour notre culture personnelle, quels sont les domaines, les secteurs dans lesquels il est très risqué pour la BNDE d'allouer des crédits? Alors, le domaine le plus risqué généralement, où les banques n'interviennent pratiquement pas, c'est le domaine agricole. Et si vous prenez l'ensemble des engagements des banques, vous n'avez que 3% qui concerne le secteur agricole. Alors, c'est ça d'ailleurs la difficulté de la BNDE. On demande d'aller vers des secteurs risqués et vers une cible risquée. Parce que si... Ça fait partie des objectifs du plan Sénégal émergent. Exactement. Donc, ce qui fait que nous devons être ingénieux dans l'approche, dans les produits et dans le modèle que nous mettons en place. Parce que nous sommes obligés d'y aller. Ce qui fait qu'aujourd'hui, sur le secteur agricole, nous sommes à 20% d'engagement par rapport aux 3% d'intervention en moyenne du secteur bancaire. Et pour cela... Donc il y a un gap de 17%. De 17%. Et pour cela, nous l'avons fait en fait en mettant en place un dispositif de financement innovant de la chaîne de valeur agricole. Donc comme le disait un de mes collaborateurs, de la fourche à la fourchette. Donc nous finançons toute la chaîne, mais en atténuant le risque de contrepartie avec une dilution de l'intervention dans toute la chaîne. Et avec ce type de financement, nous avons pu décanter le financement du riz. Le dispositif était mis en place, les aménagements étaient là, mais il manquait beaucoup de choses, notamment la commercialisation des produits finis, la transformation d'abord, et la commercialisation des produits finis. Donc nous nous sommes focalisés, nous, sur la transformation, en mettant en place des lignes de crédit pour équiper les structures dédié à transformer ce produit-là, mais aussi donc l'agro-industrie, mais aussi leur chercher des débouchés qui leur permettent de vendre le produit afin que ce produit soit consommé au Sénégal. On a une mission où on nous demande d'aller vers les secteurs risqués, mais nous n'avons pas une réglementation spécifique. Donc voilà un peu la difficulté que nous avons, mais nous cherchons toujours les moyens de pouvoir respecter la réglementation et aller vers notre mission. C'est de mettre en place des schémas de financement innovants. C'est de montrer qu'on peut gagner de l'argent tout en finançant le développement. Dans ce cas-là, je pense qu'on pourra convaincre les autres banques à venir accompagner le PSE parce que nous sommes tous embarqués dans le même bateau, c'est le Sénégal, et nous souhaitons tous que le Sénégal puisse se développer pour les générations futures. Au commencement du PSE, l'éducation. Mais il y a quelques années à rebours, sortait de terre à Sandiara, un lycée entièrement financé par les ressortissants de la ville. Quand j'étais petit, j'ai toujours pensé que l'école était le meilleur passeport pour l'avenir. Ce qui n'est pas différent de ce que disait le président Mandela, qui pensait que l'école était l'arme la plus puissante pour transformer la société et pour transformer le monde. Les trois quarts de l'argent qui a servi à construire ce lycée vient de sa poche. Mais pour ne pas utiliser le mot « je », pour permettre à chacun de s'affirmer, il dit toujours les partenaires. Il a toujours été dans ce carcan de faire quelque chose pour son village. Et à tous les niveaux, il a été leader pour essayer de faire quelque chose. Je suis le président de la commission sociale de l'ARS. L'ARS, ça signifie l'amicale des élèves étudiants ressortissants de la commune de Sandiara. Oui, évidemment, cette amicale se bénéficie d'appartements qui sont à Dakar. Ces appartements-là sont là-bas pour les étudiants de la commune et ça nous permet vraiment de loger là-bas puisque à Dakar, tout le monde n'a pas de famille d'accueil là-bas. Cette initiative est prise par le docteur Seringue Diop, le maire de la commune de Sandiara. Vraiment, il est en train d'aider les étudiants, la jeunesse de Sandiara pour la bonne marche de leurs études. Ouais. La base du lycée fantôme, c'est justement l'adhésion populaire,
la volonté populaire de créer un projet qui règle un problème que tout le monde avait. Et fort de cela, l'appétit venant en mangeant, le maire s'est dit, mais si nous pouvons mobiliser les populations jusqu'à mettre en place un projet d'envergure qui est le lycée fantôme, et si nous avions le pouvoir de décider, ce serait beaucoup plus intéressant. On a fait des démarches vers lui parce que lui, il ne voulait pas faire la politique. Là, après, il a accepté de venir en politique pour changer vraiment Sandiara. Ce lycée d'excellence de Sandiara produit chaque année 120 bacheliers. Quand j'étais jeune, j'étais le seul bachelier des 30 villages. Aujourd'hui, nous avons 800 étudiants à l'université. Nous avons 3000 élèves dans ce lycée de Sandiara. Nous avons 1000 élèves dans l'autre lycée de Louli. Vous voyez que l'éducation est en train de se mettre en place dans le Sandiara d'aujourd'hui pour développer le Sandiara du futur. Pour l'inauguration du lycée fantôme de Sandiara, le président lui-même avait fait le déplacement. Permettez-moi, chère population de Sandiara, Excellences, Mesdames et Messieurs, d'adresser mes plus vives félicitations au docteur Serigne Gueye Diop. Serigne Diop est un modèle de patriotisme, d'engagement, de générosité offert à la diaspora sénégalaise. Ému par ce geste patriotique, Macky Sall repartira de cette commune en faisant une promesse, faire construire un lycée technique professionnel à Sandiara. Aussitôt dit, les murs ont commencé à germer comme des bourdons. Le vieux gardien de ce temple du savoir veille à la sécurité des lieux et surtout à ne pas trahir une plume de l'hospitalité en pays sérère. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Je profite pleinement de ces moments privilégiés avec les anciens, moi qui suis si avide de savoir et de secrets ancestraux. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy. Les années qui passent laissent place à un spectacle qui suscite de l'optimisme. De plus en plus de jeunes Africains dans le monde s'enthousiasment sur l'idée de rentrer travailler pour le développement de leur continent d'origine. Ce qui fait d'une vision d'État comme le plan Sénégal émergent une aubaine. Exactement. Vous savez, je suis parti en France en 91 pour des études de comptabilité. Et il m'est arrivé, quand je faisais ma carte de séjour, une anecdote. On m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous avez votre diplôme, vous devez rentrer. À l'époque, hélas, j'avais vu qu'il était rentré, qu'il était au chômage. Ça m'avait dissuadé. Je suis resté par peur de revenir sans avoir du travail.
Et de fil à aiguille, je suis resté 25 ans, un quart de siècle. Je trouve que c'est beaucoup. Et en venant au Sénégal, au hasard, je suis resté 6 semaines. Et l'inspiration m'est venue de prendre mon courage à deux mains pour retourner vers le pays, parce que le développement ne se fera pas sans nous. L'Afrique, c'est notre terre. C'est à nous qu'il revient à construire. Et c'est à nous qu'il revient l'opportunité de sortir de ce cycle vicieux qui est fait de famine, de pauvreté, de guerre civile. C'est à nous de le faire. On ne peut plus compter sur les pays étrangers. C'est à nous de développer notre propre nation. Et donc j'invite tous ces étudiants africains à ne pas oublier leur terre d'origine et à revenir d'où ils viennent. Vous savez, il y a une expression au Sénégal qui dit « Nyak bonul, nyak yakara bon ». Ce n'est pas mauvais d'être pauvre. Mais ce qui est mauvais, c'est d'être pauvre en espoir. Vous savez pourquoi ces jeunes-là, ils prennent la pirogue, ils meurent sur la route de Barça ou Barça? Parce qu'ils sont pauvres d'espoir. Vision globale, action locale, c'est le fondement même de l'acte 3 de la décentralisation du président Macky Sall.